Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide. De 6h à 9h30 sur RFM. Vrai ou fake news? Bienvenue dans le vrai ou fake news du 19 juin 2023. Première news. Lot-et-Garonne, il voulait appeler son fils MacGyver, l'état civil refuse. Je crois que l'état civil a plus le droit de refuser, donc à mon avis c'est vrai. Ça va, MacGyver, ça passe. Enfin, ils ont pu l'appeler MacGyver, moi je dis. Alors non, ils n'ont pas pu l'appeler MacGyver, ils ont bien eu raison l'état civil. Le bébé n'a même pas réussi à ouvrir une porte blindée avec deux épingles à linge. Ridicule. Sans rire, l'état civil a refusé MacGyver comme deuxième prénom. La prochaine fois, soyez plus malin. Pour que ça passe, mettez Marc Gyver. Ah, deuxième pas mal. Maine-et-Loire, ils mettent au point des oignons qui ne font plus pleurer. Ça c'est vrai. C'est vrai, les amis. Temps. Ils ont mis 30 ans à bosser dessus pour créer des oignons qui ne piquent pas les yeux. Et sur le sachet, c'est écrit en gros: fini de pleurer. Et on le voit bien quand ça passe en caisse. Hein. Et moi, je suis un bonhomme. Je veux pas qu'on voit que je pleure quand je coupe les oignons d'habitude. Je vais mettre l'étiquette en mettant d'autres produits dessus. Je vais tout cacher. Troisième news. USA, Donald Trump offre le repas à tous les clients d'un restaurant. Non, c'est faux, c'est trop un rat. Ouais, c'est faux. C'est faux, il est arrivé dans le resto et en grand seigneur, il a dit: nourriture pour tout le monde. Il a mangé, puis s'est barré sans rien payer. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Dis-le plus fort, Albert. Possible, c'est pas possible. T'as dit quel bâtard. La balance. Possible, ça. Incroyable. Merci beaucoup, Hugo. Toute cette séquence est à retrouver sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM.